Depuis la première constitution, on avait dit que dès lors que les langues seront outillées, instrumentées et instrumentalisées, donc le pays va s'asservir comme langue officielle. C'est programmé depuis longtemps, mais on n'est pas venu précipitamment à cela. Certains processus-là ne se définissent pas dans un décret, ne s'énoncent pas à coup d'humeur. Il faut laisser l'incubation se faire. Et si nos langues nationales doivent venir un jour comme langue officielle, très certainement, elles vont s'établir. Certains pensent qu'on va imposer, on va leur imposer les Bamanankan. Mais il n'y aura pas d'imposition. Tout ça sera discuté parce qu'il ne s'agit pour le moment que d'un avant-projet. Et d'ailleurs, l'avant-projet ne dit pas du tout que le Bamanankan sera la langue officielle.